Et les voilà partis pour ce prix de la petite Martinique. On est très bien parti avec le numéro 2 Carnaval. On est côté corde avec un concurrent comme Toffman. On retrouve très près de la tête un Miracris. On ferme la marche avec Féroce Kisk ainsi que Unionna qui s'en met plus de vitesse. Il faut aborder le poteau des 1200 mètres. C'est toujours le numéro 2 Carnaval, 4 têtes et cordes. On est venu. On vient maintenant également facilement avec le numéro 7 Féroce Kisk qui est le jockey Samuel. On est côté corde avec Toffman. On est 5e avec Philao. On ferme la marche avec Unionna. Pour aborder le tournant et à 800 mètres de l'arrivée, c'est maintenant Féroce Kisk qui prend 3, 4, 5, 6, 7 longueurs d'avance. On est deuxième avec Carnaval, troisième avec un concurrent comme Amirak Risk. Ce numéro 7, Féroce Kisk avec son jockey barbadien Samuel qui a plus d'une dizaine de longueurs d'avance pour entrer, pour aborder le tournant. C'est toujours ce numéro 7, Féroce Kisk. On va essayer de se relancer et de se lancer à sa poursuite avec d'autres concurrents. Mais c'est Féroce Kisk, on se lance avec Carnaval, on vient côté quad avec Toffman, on vient également aussi avec Amirak Risk et Filao. À 300 mètres du poteau, c'est toujours Féroce Kisk à l'avantage, mais on se lance à sa poursuite avec plusieurs concurrents. On vient à peine plus avec Amirak Risk, Filao et Unionna. La course n'est pas terminée pour avec Féroce Kisk a toujours l'avantage, mais Carnaval vient de plus en plus fort côté corde. On vient aussi avec Toffman, on vient à pleine piste avec Amirak Risk. À 200 mètres du poteau, c'est maintenant Carnaval qui s'en prend davantage, on est toujours en pleine piste avec Féroce Kisk. C'est Carnaval, Carnaval, Féroce Kisk, Carnaval, Féroce Kisk. Et pour côté corde, on retrouve Carnaval, c'est des créneaux, Féroce Kisk. C'est Carnaval qui va le faire devant Féroce Kisk. On est troisième avec Toffman et on a très bien fini avec un concurrent comme Filao. Donc arrivé de cette course, c'est victoire de ce numéro 2, Carnaval qui a laissé le. Qui a laissé l'éclair passer avec Féroce Kisk qui avait pris plusieurs longueurs d'avance. Deuxième place pour Féroce Kisk qui s'est posé photographier entre plusieurs concurrents. Mais semble que ce soit le 3 Toffman qui est sa troisième.